Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h10. Oui, je suis là pour vous avec toute l'équipe Ariel Wiesmann, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag, Bertrand Chameroy. On va la démarrer ensemble cette journée sur Europe 1. C'est votre 10-12. On va parler de toute l'actualité, celle qui vous concerne, celle qui vous a peut-être échappé, celle qui va vous intéresser. Et pour commencer désormais chaque jour, c'est la une du jour. Et à la une aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui concerne des millions de Français qui ont au moins 2 enfants de moins de 20 ans, les allocations familiales. Alors que le gouvernement a annoncé la possibilité de les supprimer pour les revenus les plus élevés, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pourrait porter ce projet. Ariel Wiesmann, ça vous a inspiré et vous nous en parlez comme vous l'entendez d'ailleurs. Être riche en France, c'est pouvoir dire en toute quiétude, la bouche enchantée par un grand cru de Bourgogne, qu'on vit dans un pays de grosses feignasses, tout en bouquant une séance de massage asiatique drainant relaxant et en demandant fermement à la nounou polonaise de faire moins de bruit avec les gosses et de ne pas oublier de leur parler en anglais. Être riche en France, c'est plaisanter au téléphone avec son banquier, grignoter des bougnottes bio de Douarnenez faites à la main. Être seul en classe business parce qu'on a aussi acheté la place à côté de soi. Avoir des enfants qui passent par une période Mélenchon-Capoeira. Ne pas tromper sa femme, pas parce qu'on l'aime, mais seulement parce que les divorces, ça coûte cher et que toutes les juges sont des femmes, de gauche qui plus est, et qu'avec le patrimoine qu'on a... Non mais ça a l'air génial. Écoutez, ça avait l'air génial, hein, car aujourd'hui, si vous gagnez plus de 6000 euros net par mois et par ménage, c'est-à-dire même pas un mètre carré du 16e arrondissement, hein, honnêtement, on pourrait, c'est vrai, quoi, qui peut vivre sur un mètre carré par mois, on pourrait vous supprimer purement et simplement les allocations familiales. Et sous quel prétexte, grand Dieu du ciel? Mais parce que vous n'êtes pas pauvre. Ça y est, dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn, il est temps de parler de tout ça. Ouvrez les guillemets, ce n'est pas un sujet tabou. Bah oui. Donc la non-pauvreté des riches, on l'imaginait bien. C'est un truc que ça se savait comme ça. Les gens en parlaient un peu à mots couverts. Mais attention, on est dans un pays égalitaire et il était inconvenant de dire que certaines allocations auraient mieux trouvé leur place dans la poche d'une mère isolée ou d'une fratrie nécessiteuse. Hollande avait instauré une forme de régressivité tenant donc compte des salaires élevés de certains. On leur supprime, mais tout aux riches, c'est quand même dingue. Hein. Même l'ISF, ce semblant de dignité qui leur restait, on leur laisse même pas. Bien sûr, en apparence, c'est juste, mais peut-être moins pour les riches et plus pour les pauvres. Les gens disent, bon, c'est logique, mais déjà, des objections s'élèvent. La plus républicaine, c'est que c'est un accro à la notion d'universalité des allocations et donc au principe égalitaire de la République. Ensuite, il est prouvé que si les gros maigrissent, les maigres meurent. Et on ne construit pas une nation, monsieur Chameroy, avec des gros maigres et des maigres morts. Il faut aussi tenir compte du fait que cette nouvelle risque de dissuader les riches de procréer et d'encourager les pauvres, eux, à se reproduire. Ce qui ferait moins de riches et encore plus de pauvres qui iront gonfler le public de Maître Gims et de Énergie 12. Alors autant dire que ce serait la fin de la culture. En gros, c'est tout foutre en l'air et voilà à quoi on va arriver. N'importe quoi. Être riche, c'est vivre à deux, sans alloc, donc sans enfants, sans nounou et sans descendants. Être riche, c'est maîtriser sa contraception, faire une croix sur ses allocations. Être riche, ça payait bien avant, mais ça ne paye plus. Merci beaucoup, Ariel Wiesmann. C'est la vision d'Ariel Wiesmann, évidemment, sur ses allocations. Europe.